de faire une petite vidéo aujourd'hui. Il y a eu une grosse pause, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, enfin si vous avez vu, j'ai fait une grosse pause quand même sur mon compte. Mais voilà, je reviens pour quelques vidéos, je vous expliquerai juste après pourquoi j'ai fait une si grosse pause. En tout cas, je suis de retour. Je pense que je vais surtout focaliser sur des vidéos que j'apprécie faire et qui vous plaisent aussi à vous. J'ai regardé un peu justement sur... J'arrive pas à parler et à mettre du mascara en même temps. Donc j'ai regardé un peu sur YouTube les vidéos qui vous ont le plus plu à vous et celles que, parmi celles-ci, celles que moi j'ai le plus aimé faire en fait. Donc je pense que je vais continuer les vidéos de ce type, ces formats, etc. Bien sûr je ferai pas toujours la même chose, je continuerai de faire de nouveaux formats, etc. Mais je pense que je vais faire déjà beaucoup plus de vidéos spontanées comme, comme celle-ci. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai piqué le mascara de ma pote. Donc merci Margot, parce que je sais qu'elle va regarder cette vidéo. Bref, je finis de mettre du mascara parce que j'arrive pas à me maquiller et à vous parler en même temps. Et puis je vous reprends juste après. Posée avec mon petit café, je vais prendre le temps de vous expliquer. Mais comme vous avez pu le remarquer depuis quelques semaines, je suis plus trop sur YouTube, même plus du tout. Ça doit faire peut-être 3 semaines, un mois que j'ai pas fait de vidéo YouTube, que j'ai pas sorti de vidéo YouTube. Et c'est simplement parce que j'ai moins de temps et je voulais pas faire de la quantité pour faire de la quantité en fait. Ça je vous l'ai dit plein de fois sur YouTube, mais je préfère privilégier la qualité de mes vidéos à la quantité plutôt que de vous sortir des vidéos juste comme ça pour vous sortir des vidéos. Donc j'ai préféré juste mettre un stop et aussi prendre le temps justement pour réfléchir à ce que je voulais vraiment faire, des choses, des formats, des sujets qui pourraient vous parler à vous et qui me parle aussi à moi. C'est important de faire de la qualité sur des choses aussi qui me parlent et qui vous intéressera en fait aussi derrière. J'espère que vous comprenez. En tout cas, je vais continuer de faire des vidéos comme ça qui, j'espère, vous plairont à vous. En tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai regardé un peu les vidéos qui vous plaisent le plus et celles que j'ai pris le plus de plaisir à tourner. Donc on va continuer sur cette lancée. Il y aura peut-être moins de vidéos. Peut-être qu'il y aura... En tout cas, je préfère ne pas m'engager, mais je pense que je vais essayer de sortir 2 vidéos par mois, donc toutes les 2 semaines. En tout cas, au minimum, au début. Et on verra si j'arrive à reprendre le rythme de 1 vidéo par semaine. Mais encore une fois, je préfère faire de la qualité, vous faire des vidéos même jolies à regarder, parce que le montage aussi, c'est quelque chose qui prend du temps. Et j'ai pas du tout envie de le bâcler. J'ai vraiment envie de le faire à ma manière, parce que ça me représente aussi, ça représente le style de mes vidéos. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous comprendrez. Et puis, je vais boire mon petit café tranquille parce que du coup j'ai pas encore bu une gorge. Je voulais vous parler d'une dernière chose parce que je me suis dit que je me devais d'être totalement transparente avec vous par ici. dis donc, parce que c'est quand même une grande partie de ma vie, donc je peux pas de toute façon vous le cacher, j'ai aucun intérêt à vous le cacher. Mais j'ai décidé pour cet été, donc pour la saison, la grande saison, de reprendre un travail. Donc je vais travailler en camping pendant 6 mois et je me devais de vous le dire aussi tout simplement parce que ça explique en grande partie pourquoi tout simplement j'ai arrêté les vidéos YouTube depuis quelques temps, aussi parce que c'est un travail qui me demande beaucoup d'implication et c'est moi qui choisis aussi de m'impliquer totalement dedans. Donc voilà, ça explique un peu tout ça, mais je vous parlerai peut-être de tout ça plus en détail dans une autre vidéo. Et du coup ça me fait penser que vous avez vu un peu vite fait ma morning routine, mais on m'a demandé de refaire une morning routine et du coup ma morning routine, c'est dur à dire plein de fois. Du coup ma morning routine a beaucoup changé, donc si ça vous intéresse que j'en refasse une spécialement sur ma reprise du boulot, etc., n'hésitez pas à me le dire, ça peut peut-être vous donner des idées pour les personnes qui sont peut-être salariées et qui travaillent du coup comme moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et puis prenez soin de vous, n'oubliez pas de persévérer pour réaliser vos rêves. En tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine, bye. Enfin à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines du coup.